L'histoire de Bassirou Diomaye Faye commence en 1980 à Niaganiaou, une commune du centre-ouest du Sénégal située dans la région de Thiès. Sa famille a joué un rôle important dans l'histoire de Niaganiaou, surtout pendant la période coloniale. Son grand-père, Diomaye Faye, était un ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Il a combattu lors de la célèbre bataille de Verdun en 1916 et a été gravement blessé. Après avoir été considéré comme un blessé de guerre, il a été libéré et est retourné au Sénégal en 1918. En plus d'être un ancien combattant, il était l'aman et chef du village de Ndiagnaï. Diomaye Faye s'est opposé fermement à la maltraitance des habitants locaux qui étaient soumis à divers travaux forcés collectifs sous le régime colonial. Il a même conduit une révolte populaire contre ces pratiques violentes imposées par les représentants locaux du pouvoir colonial, notamment les chefs de canton. En plus de sa lutte contre l'oppression coloniale, Diomaye Faye a également joué un rôle crucial dans le développement de l'éducation dans la région. Avec d'autres anciens combattants et des notables du canton de Niaganiaou, il a milité pour l'ouverture de la première école élémentaire de la région. En effet, Diomaye Faye avait très tôt saisi l'importance cruciale de l'école et de l'éducation dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et des populations rurales. Dans le cadre de ces campagnes, il a été brutalement arrêté et emprisonné à Podor pendant 7 longs mois. Après sa libération, il est retourné dans son village pour poursuivre la lutte jusqu'à ce que l'école élémentaire de Niaganiaou ouvre ses portes en 1946. Diomaye Faye s'est battu avec détermination pour encourager les familles serrères de son village à envoyer leurs enfants à l'école. Il a été l'un des premiers à mettre en pratique ce qu'il prêchait en inscrivant son propre fils, le père de Diomaye, parmi les premiers élèves de cette école. Pour honorer sa mémoire et reconnaître ses bienfaits et sacrifices pour la communauté de Niaganiaou, les jeunes de la région ont organisé un événement spécial le 12 avril 1997. Il s'agissait d'un festival de musique africaine pour promouvoir l'éducation qui s'est tenue au stade d'Embodjo et a accueilli d'éminents artistes américains. Le 15 mai 2018, le lycée de Niaganiaou a été officiellement baptisé à son honneur le lycée Diomaye Faye. Le père de Bassirou, Samba Ndiagne Faye, était un homme politique respecté et chef de village qui s'est toujours battu pour le progrès de sa communauté. Malgré les nombreuses responsabilités familiales et les défis liés à sa vie politique, il a fait de grands sacrifices pour assurer l'éducation de ses enfants. Sa maman, une brave dame ne sachant ni lire ni écrire, malgré les durs travaux domestiques auxquels elle s'acquittait quotidiennement, s'est toujours assurée que ses enfants avaient fait les devoirs et appris leurs leçons. Grandir dans ce milieu familial a profondément marqué Bassirou, le poussant à défier les schémas du passé. Contrairement à son grand-père qui a lutté contre l'impérialisme et à son propre père qui soutenait le système en place, Bassirou a rapidement saisi l'importance des études pour transcender les réalisations de ses ancêtres. Présenté comme un garçon très brillant, l'ancien pensionnaire de la mission catholique et du CM de Niaganiaou a poursuivi son éducation au lycée d'Embodjo Dembourg où il a brillamment obtenu son baccalauréat en 2000 avant de rejoindre l'université Charles Diop de Dakar où il est sorti avec une maîtrise en droit en 2004. Dans la foulée, il passe et réussit simultanément au concours de l'École nationale d'administration et du centre de formation judiciaire section magistrature. Celui qui aurait pu devenir magistrat opte pour une carrière dans l'administration fiscale. En 2007, Bassirou Diomaye Faye a commencé à travailler à la Direction générale des impôts et domaines où il a fait ses preuves en tant qu'inspecteur des impôts. Il a occupé différents postes importants comme au Centre des professions libérales et à la Brigade des vérifications. Plus tard, il est devenu chef du bureau des contentieux à la Direction de la législation et de la coopération. C'est là qu'il a fait la connaissance d'Ousmane Sonko. Malgré leur écart d'âge, les deux hommes ont développé une amitié solide. Ensemble, ils ont fondé le premier syndicat des agents des impôts et domaines. Depuis 2018, Bassirou Diomaye Faye est le secrétaire général de ce syndicat, où il a joué un rôle important dans les actions syndicales visant à défendre les intérêts de la profession. L'entrée de Bassirou Diomaye Faye dans le monde de la politique il y a environ 10 ans a été une grande surprise pour lui, car il ne s'était jamais vu dans ce domaine auparavant. Il fait partie de ceux qui ont assisté à la naissance du PASTEF. Il était là fin 2014 lorsque le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité a été créé dans une petite salle de l'Université de Dakar. Au fil des années, Bassirou Diomaye Faye a gravi les échelons au sein du PASTEF pour finalement être choisi comme secrétaire général en octobre 2022. Dans ce rôle de leadership, il a joué un rôle central dans le développement et l'expansion du parti, notamment en dirigeant les efforts visant à étendre la présence du PASTEF à l'étranger, notamment en Europe.
Son dévouement et son engagement envers les idéaux du parti l'ont rapidement placé comme l'une des figures clés du mouvement. Surnommé affectueusement BDF par ses proches, Bassirou Diomaye Faye incarne les valeurs et les principes du passé. Malgré son apparence calme et posée, il est reconnu pour son intransigeance lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts du parti et de critiquer le gouvernement en place. Le 14 avril 2023 marque un tournant dans la vie de Bassirou Diomaye Faye. Ce jour-là, il est arrêté. Son arrestation fait suite à un message posté sur les réseaux sociaux où il exprimait ouvertement ses critiques envers certains magistrats impliqués dans une affaire de diffamation mettant en cause Ousmane Sonko et le ministre du Tourisme Mambaynian. Les accusations portées contre lui sont graves. Outrage à un magistrat, diffamation et acte de nature à compromettre l'ordre public. Emprisonné à la prison du Cap Manuel à Dakar, Bassirou Diomaye Faye se retrouve confronté à un système judiciaire qui lui refuse toute liberté provisoire. Pour ses partisans, son arrestation est perçue comme une manœuvre politique visant à réduire au silence un opposant influent. Pour ses détracteurs, elle représente la juste application de la loi contre ceux qui osent défier l'autorité de l'État. Dans tous les cas, elle suscite une vive émotion et ravive les tensions déjà palpables au sein de la société sénégalaise. Malgré son arrestation, Bassirou Diomaye Faye n'a pas été jugé ni condamné, ce qui signifie qu'il conserve le droit légal de se porter candidat à une élection présidentielle. Ainsi, avec Ousmane Sonko écarté de la course présidentielle en raison de ses propres démolitions judiciaires, Sonko a pris une décision stratégique en choisissant Bassirou Diomaye Faye comme le candidat pour l'élection présidentielle de 2024. En tant que secrétaire général et proche allié de Sonko, Faye a été désigné pour porter les aspirations du parti malgré les obstacles qu'il a rencontrés sur le plan judiciaire. Cette décision a été perçue comme un choix stratégique visant à maintenir la cohésion au sein du PASTEF tout en capitalisant sur la popularité et l'engagement de Faye dans le mouvement politique. Bassirou Diomaye Faye, selon ses propres dires, attribue une grande part de ses valeurs et de son éthique de travail à l'éducation reçue de ses parents, avec qui il entretient des relations empreintes de confiance et de confidentialité. Ils lui ont transmis le goût du travail bien fait et ont cultivé en lui un esprit de compétition, mais d'une manière saine et basée sur le mérite. Profondément enraciné dans sa culture sérère, il considère ses origines et sa tradition comme des guides essentiels dans tous les aspects de sa vie, en particulier dans son parcours professionnel. Cette connexion avec ses racines se traduit par son engagement envers la qualité, le perfectionnement et le culture de l'excellence, ainsi que par son intransigeance en matière d'éthique. Ses collègues témoignent unanimement de ses qualités professionnelles. Wally Diouf Bodian, par exemple, le décrit comme un agent consciencieux et techniquement irréprochable. Pendant 5 ans, Bassirou a dirigé avec brio le bureau du contentieux de la direction de la législation. Un exemple révélateur de son dévouement absolu à son travail s'est produit le jour de son arrestation. Malgré la présence policière dans les couloirs de la Direction générale des impôts et domaines, il a tenu à finir et à envoyer le dernier dossier à 22h afin de respecter les délais de travail prévus. Cette anecdote illustre sa haute conscience professionnelle et son engagement indéfectible envers son devoir, même dans des circonstances difficiles. Bassirou Diomaye Faye s'est engagé avec détermination contre l'accaparement des terres des populations paysannes de Ninglère dans la communauté de Ndiaga-Niao. Son action a eu un impact significatif non seulement au niveau local, mais aussi au niveau national et international, en mettant en lumière les pratiques abusives et arbitraires auxquelles étaient confrontées les communautés agricoles. En plus de son combat pour la justice foncière, Bassirou a également apporté son soutien de manière discrète mais efficace à sa communauté. Il a généreusement offert une ambulance au poste de santé de Ndiaga-Niao, reconnaissant ainsi la responsabilité des membres de la communauté à contribuer à leur bien-être collectif. Convaincu que l'éducation est la clé du développement, Bassirou a initié et organisé des sessions de révision collective ainsi que des cours de philosophie et de français pour les élèves préparant leur examen dans sa région. Son engagement envers l'éducation va au-delà des mots, car il reconnaît l'importance de l'autonomisation par le savoir. En tant que figure clé dans les organisations associatives de la commune de Ndiaga-Niao, Bassirou Diomaye Faye a laissé une empreinte indélébile dans sa communauté. Son implication dans les activités culturelles locales et son mandat en tant que président de la SNDIAGNAI témoignent de son attachement profond à sa culture et à son terroir. Mais ce qui distingue vraiment Bassirou, c'est sa discrétion et sa gentillesse. Son ami, Irene Keining, souligne qu'il préfère donner sans témoin,
montrant ainsi son sens élevé de la discrétion et son désintéressement. Il a soutenu de nombreuses personnes dans le besoin, des villages entiers, des associations de jeunes, de femmes, d'élèves et d'étudiants, sans jamais chercher la reconnaissance publique. En effet, Bassirou a formé plus de 500 femmes à la teinture et à la fabrication d'eau de javel et a organisé plus de 300 consultations médicales gratuites pour prévenir le cancer du col de l'utérus. Son souci pour le bien-être de sa communauté va au-delà de l'aide immédiate, car il veille à ce que les bénéficiaires de ses actions gardent le secret dans la mesure du possible. L'histoire de Bassirou Diomaye Faye est celle d'un homme dont l'engagement envers sa communauté et ses valeurs éthiques a été forgé dès son enfance. Issu d'une lignée de combattants pour la justice et l'éducation, il a hérité d'un héritage familial riche en détermination et en générosité. Son parcours académique brillant et son engagement professionnel exemplaire en font un modèle pour de nombreux jeunes Sénégalais. Son implication politique, notamment au sein du PASTEF, a été marquée par son dévouement pour les idéaux du parti et son opposition farouche aux injustices perpétrées par le gouvernement en place. Malgré les défis et les obstacles, notamment son arrestation controversée, Bassirou Diomaye Faye reste un symbole de résilience et de détermination. Son combat contre l'accaparement des terres et son soutien aux plus démunis témoignent de sa vision d'un Sénégal plus juste et équitable. Son histoire est celle d'un homme qui a su conjuguer succès professionnel, engagement politique et service communautaire, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de son pays. À travers ses actions, Bassirou Diomaye Faye incarne les valeurs de courage, d'intégrité et de solidarité, inspirant ainsi les générations actuelles et futur à œuvrer pour un avenir meilleur pour tous. C'était l'histoire de Bassirou Diomaye Faye. Nous vous demandons de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.